Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur GTA 4. On va faire un épisode spécial Cops and Crooks avec tout simplement les missions de police, hein, comme je vous ai montré dans l'épisode précédent ou dans d'autres épisodes. Je vous en avais même parlé dans des vidéos qui parlaient potentiel pour un potentiel DLC, tout simplement Cops and Crooks qui pourrait arriver sur GTA Online. Dans GTA 5, mais donc là on est dans le solo du 4 et tout simplement, bah voilà, je vais vous montrer pour ceux qui peut-être découvriront. Et ben voilà, donc dans GTA 4 vous avez tout simplement les voitures de police, hein, donc tout type de véhicule de police avec un ordinateur de bord, voilà. Et donc on peut appeler des renforts, voir les criminels recherchés, consulter des archives, voir les crimes en cours. Donc voilà, par exemple on a des crimes en cours direct là, donc qui sont assez aléatoires. On a voir les criminels recherchés, donc ça c'est tous les criminels recherchés. On a une liste tout simplement par map, hein. Donc on a par île, on va dire. Donc on a pour toute cette région là, donc ces deux îles là. Après on a une autre liste pour cette île là au milieu et une autre liste pour tout simplement la troisième île ici. Voilà, donc là on va commencer par cet épisode par ces deux îles là. Et puis voilà, donc là il y en a 10 en tout, hein, de criminels recherchés sur ces deux îles. Donc on va voir combien on en fait par épisode et puis voilà, on va avancer petit à petit, j'espère que ça vous plaira. Donc allez, on va sur l'ordinateur, voir les criminels recherchés. On va commencer par vol de voiture, allez. On va commencer par le bas, Freddy Paparo. Lieu fréquenté, Steinway à Duck. Vol de voiture, trouvé. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça nous a mis l'emplacement sur le radar. Donc c'est des petites missions, donc bon, je sais pas s'il y a beaucoup de routes, on va regarder vite fait. Non, bah regardez, c'est juste là. Hein. Donc c'est pour ça, les trajets, je vais pas les couper. Hein. Et donc on va se la jouer un peu flic. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée de... Enfin, de ce que clairement Rockstar pourrait faire, hein, pour un DLC... Cops and Crooks. Et ce système, je le trouve vraiment super bien fait dans GTA 4, quoi. Liquide les cibles. Ah oui, c'est vrai qu'on tire qu'avec... Ouais, ok. C'est vrai qu'on tire qu'avec une touche, pas comme GTA 5. On va accélérer un peu, mais ils avancent, hein. Allez, on a... Arrêtez le chauffeur. On va prendre des flingues. Sauvegarder. Ah mais ils se sont fait écraser les deux autres. Ok. Bon, c'était un peu la panique là. Par contre ma voiture de flic elle est quasiment morte. Juste regarder ce qu'ils avaient. Et là, les deux autres ils se sont fait défoncer par les civils. Et le chauffeur, bah, c'est moi qui l'ai buté. Bon, on va retourner tout simplement au commissariat si je me rappelle où il est. Parce que là on peut pas y aller comme ça. Allez, on va retourner sur place. Playboy X, laisse-moi tranquille. Je crois qu'on est monté par là. Je vais pas tarder à exploser. On va retourner au Comico. Je sais qu'il est en sens inverse en plus. Alors, ah oui, on était passé par là. Très long. Il est ici, voilà. Et on va changer de bagnole, hein, parce que là c'est une cata, hein. Ah, espérons que je vais pas me faire choper par les flics.
Hop. Allez, nouvelle mission. Enfin, si je casse pas la vitre. Ah merde. Bon, ça va. Personne m'a vu. Allez, ensuite, voir les criminels recherchés. Donc vous voyez, une fois que c'est fini, et ben voilà, il est en rouge, donc là, décédé. Terminé. On passe au suivant. Bert Ricker, trafic de stupéfiants. À Boabo, broker. Ouais, il a une sale gueule, lui. Trouvé. Allez, c'est parti. Nouvelle mission. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Bon, c'était un petit peu la cata pour la première. Ça risque d'aller un peu mieux. Ok, bon, c'est là-dedans, il y a du monde. Est-ce qu'on peut pas les prendre par en haut, là? On peut les prendre par ici, mais... Ah, bah ouais. On va se garer là. J'ai plus beaucoup de balles, va falloir que j'en refasse le plein à Immunation. Ok, donc là, on en a un ici. Ok, il y en a un autre là-bas. Ouais, une petite grenade, ça lui fera pas de mal à lui. Ça va refroidir. Ah, oh, déconne pas, tu peux pas monter là. Ah. Alors. Ok, ça en fait deux. Il en manque deux. On a derrière le tonneau là. Ok, ça c'est bon. Et lui, il est où? Hop! Allez, une de fait. Ah, vous voyez, ça va vite quand même. On a déjà fait deux. Hop! Allez, on ramasse les balles en même temps. C'est toujours ça de prix. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Ok. Non, je préfère celui que j'ai déjà. Ok, allez, bon, on retourne à la voiture. Une deuxième mission de rempli. Qu'est-ce qu'il faut de ce bagnole? Ok. Bon, par contre, on va pas rester avec l'arme à la main comme ça. Ah ouais, on a mis 7 minutes, on a déjà fait 2. Allez, suivant. Ouais, criminel recherché, donc voilà. Regardez, pareil, je vous montre. Hein. C'est vraiment super bien fait. La cible, cette cible est morte. Vous voyez, pour ceux qui se demandaient si on refait, voilà, ça fait cette cible est morte. On passe au suivant. Alonso Goralski, pardon. Cambriolage. Ah, il a un petit air de Nico limite. À part qu'il ait une bouche énorme. Francis International Airport. Ah bah tiens, on va aller à l'aéroport. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Voilà, si vous voulez d'autres épisodes sur sur ces petites missions de flics, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Il y en aura d'autres. Hein. Donc là, après on va refaire le solo. On va continuer le solo pendant 5 épisodes. Au 20e épisode, je vous préparerai une petite vidéo sympatoche pour déconner. Et quelques trucs que j'aimais bien faire. Qui étaient bien connus, j'en avais parlé à l'époque, mais qui étaient bien connus sur GTA. Qui étaient un peu what the fuck. Et puis donc à l'épisode 25, on refera de l'import-export. Je sais pas comment, ouais, on verra comment on va faire, mais le truc c'est qu'il faut absolument que j'avance un peu le solo, quoi. Que je le finisse, après on démarrera... soit on démarrera les DLC, soit on attaquera San Andreas. Ou alors on pourra faire un épisode de San Andreas, genre le mardi ou le samedi, et un épisode de, par exemple, Ballad of Gay Tony, hein, le mardi ou le samedi. Enfin, un épisode par semaine de San Andreas, un épisode par semaine de Ballad of Gay Tony, on verra bien.
Vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous chauffe comme ça. Et puis voilà, parce que j'ai bien envie de reprendre San Andreas aussi. Je suis assez chaud, voir si je peux même l'avoir sur... Ce qui serait bien, c'est que je l'ai sur PC avec un mode graphique. Bien, pour bien l'améliorer, ce serait stylé. Et par contre, j'ai pas réglé la sensible, la visée, du coup c'est un peu une cata. Ok, l'autre il s'est barré là-bas. J'ai la sensible qui est à peine un peu forte. Voilà, t'écartes ça comme ça. Visiblement on va faire des tours de circuit. Hop là, dans la tête. Oh putain, le headshot que je lui ai mis. Oh la vache. Allez, une de plus. On va se garer sur le parking. Oh, le headshot était sale quand même. Hop là, en plus il s'est garé et tout, c'est parfait. Comme ça, il gêne pas la circulation. Vérifier qu'il est mort, mais je pense que oui, je pense pas que... Ouais, mort oui, mais est-ce qu'il a un peu de thune? C'est pour moi en prendre. Une arme. Ah bah voilà. Ah attendez, je voulais regarder un truc. Alors, attendez. Si. Ah merde. J'ai pas eu le temps de voir combien ça rapportait. Attendez, donc là, il y a de l'argent. 80. Ok, donc 580. Et si on fait ça. 17 dollars. Ah, c'est un... il y a peut-être un peu plus avec l'argent sale. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je comprends pas ce système. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont verts et d'autres moins verts. Je pense que c'est l'argent propre et l'argent sale, mais... Je me souviens plus. Voir les criminels recherchés, bah voilà. On a déjà fait 3. Preston Pinsinovski. Fraude à la carte bancaire, hein. C'est pas très beau ça. À Northern Garden Bowen. Eh bah allez, c'est parti pour... s'occuper de Preston. On va passer par le tunnel. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez. Mais bon, déjà faut qu'on ait fini le solo de GTA 4. Et après on verra, mais voilà. Peut-être faire un épisode de Ballad of Gay Tony et un épisode de GTA San Andreas par semaine. Parce que bon, là on va avoir pas mal de temps maintenant que le DLC est sorti. Il risque de faire peut-être quelques ajouts, de nouvelles activités en attendant jusqu'à décembre. Mais... ça va être plutôt calme. Le seul moment où ça va s'accélérer un peu, c'est quand il va y avoir la... Attendez, je vais couper un peu parce que du coup je m'entends même pas. C'est quand il va y avoir la mission avec l'OVNI aux Forces Zancudo, hein. Vous savez que je vous parle depuis le début de la sortie du DLC. Que les gros ont fait un gameplay dessus. Donc voilà, ça, là je vais à ce moment-là, je vais rusher pour l'obtenir, surtout si ça dure qu'une semaine l'événement. Et si c'est pour Halloween. Donc voilà, bon bah ça de toute façon je le ferai en live comme je vous ai dit. Et à part ça, ça va être le calme plat, quoi. Il y aura les vidéos véhicules casino comme d'hab. En espérant que je puisse faire assez rapidement les vidéos, finir la présentation de véhicules custom du DLC et aussi faire leur test sur piste et circuit à eux aussi. Pour voir quel véhicule est le meilleur de ce DLC. Mais pour le moment, avec ma 4G foireuse, ça craint un peu, quoi. Parce que vu que c'est des vidéos qui durent facilement 15-20 minutes, en ce moment j'ai des soucis avec la 4G, c'est un peu le bordel. Pardon, là, je raconte ma vie. Mais... il y a énormément de circulation, c'est ouf. Hein. Sur PC j'ai mis la circulation à fond. Il y a des endroits. Mais... c'est blindé de chez blindé. Quoi. Bon, faut que je surveille le rec, moi. Parce que je sais 20 minutes à chaque fois par truc. Oui, il s'est fait défoncer le cul. Allez, je pense qu'on va arriver là. La route était un peu longue cette fois-ci. On va remettre les gyros. Et les sirènes surtout. Ah bah c'est là. Police!
Personne ne bouge. Je vous bute tous, bande d'enfoirés. Oh, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va pas utiliser trop de balles. Une petite grenade. Hop là, pile sous la bagnole. Hop là, ça c'est fait. Et puis on va y aller aux pompes là. Ouais. Lui, il essaie de se barrer là-bas. Vous voyez, regardez-le. Hop! Je sors d'où, Will Smith? On aurait dit Will Smith, le gars. Hop. Il y a toujours un peu de thune. Voilà. C'est cool. Allez, une de plus. Ah, c'est le gars de la sécurité, c'est pour ça qu'il a une coupe un peu là où il se met. Allez, une de plus. Allez, on va se garer dans le parking là. Bon, commence à être un peu fatigué la voiture, hein, mais bon, elle va faire encore quelques missions. Allez, PC, voir les criminels recherchés. Et puis écoutez, on va faire la dernière. On va faire la dernière et mais ça sera pas mal, hein, déjà 5. Tyler Pickrell. Trafic d'êtres humains. Allez, c'est parti pour Tyler. Il a Meadows Park Duck. Ah bah ça c'est la meilleure. On va tomber là-haut. Ouais, même si j'ai un peu crevé, c'est pour ça. Ok, allez, poussez-vous. Oh là, il est parti en tête à queue. Ouais, par contre, là, on est loin du comico. J'espère qu'elle va faire le chemin celle-là. À moins que je croise une voiture de flic en route, mais... Ah, le crevé, la voiture est dans un état lamentable. Wow, 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 ça va péter. Oh, ça va péter sévère là. Oh, ça part en cacahuète la mission là. Cours Nico, cours. Ah, ça c'était pas prévu. Bon, au moins on va avoir les voitures flics. C'est déjà ça. C'est pas, c'est plus trop RP là, effectivement. Ça... Oh putain. Ouais, ça y est, elle a explosé celle-là. Ça part un peu en cacahuète là. Allez, on va sauver celle-là tant qu'on peut. Oh la vache! Oh, il y a un peu de spectacle au moins. Allez hop. Oh, il y a un barrage là. Holy shit! Oh bah fou, je me suis fait éjecter. Je me suis fait défoncer la gueule. Oh comment ça m'a éjecté de la bagnole. Allez, c'est pas grave.
Là, par contre, ils nous prennent cher, ces enfoirés, à chaque fois. Police Department, ils doivent avoir un truc là, non, pour les bagnoles. Peut-être là, derrière, non? C'est quoi? Non, c'est pas des voitures de flics. Ah ouais, ici, je pense. Ah ouais, bah c'est là où on était tout à l'heure, je crois. Ah bah ouais, nickel. Regardez ça, c'est pas beau? Parfait, allez hop. On va pouvoir reprendre où on en était. Bon, bah du coup, il y a eu un petit imprévu, ça fait un peu d'action, c'est cool. Taylor. Allez. Là, par contre, il va falloir vraiment que je fasse le plein Illumination parce que j'ai plus de balles de Dakar. Élimine la cible. On sait qu'elle est. Ah, le mec il court carrément. Ok. Ça va pas être très compliqué. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Je vais le mettre à genoux, mais bon. Bon bah ça a été rapide. Bon, on va s'en faire une petite dernière du coup. On va pas rester là-dessus. Hop. On aura bien avancé du coup. Bon les amis, en fin de compte, il n'y en aura pas d'autres de mission parce que là ça commence à partir en cacahuète. Vous voyez, je suis encore avec les flics au cul. Je m'en sors plus, à chaque fois il y a un souci. Donc on va arrêter là, on en a déjà fait 4 ou 5 il me semble, on en a fait 4. Donc on a plutôt bien avancé pour cette île là. Et puis bah voilà, on se retrouvera prochainement pour un autre épisode Cops and Crowks sur GTA 4. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher le gros pouce bleu du soutien, pourquoi pas partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous pensez qu'elle mérite d'être partagée. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode sur GTA 4 samedi pour continuer l'histoire du solo. Encore merci à tous de regarder la vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes sur GTA 4. Ciao !